Quels sont les fonds qui traversent, les fonds, les SICAV, les FCP, les placements qui traversent le mieux cette crise? On en parle avec vous, Frédéric Lorenzini, bonjour. Bonjour David. Journaliste à Patrimoine 24, je vous ai demandé encore une fois de plancher pour nous, ouais. nous dire, voilà, au-delà de faire le bilan, on fera le bilan un petit peu, mais de dire, quels sont les, encore une fois, il y a les SICAV qui s'en sortent mieux, des gérants qui font bien, bien mieux que la baisse, même s'il y a une petite reprise ces derniers jours? Absolument. Il y a des choses qui sont calamiteuses et puis il y a des fonds qui gardent la tête hors de l'eau. Alors on va laisser de côté hein, les fonds, les classes d'actifs évidentes, on en a déjà parlé. Il y a par exemple les fonds short, hein, ceux qui jouent la baisse. Si vous prenez par exemple un fonds comme le Lyxor Double Short S&P 500, à mesure que le S&P 500 baisse, lui, il progresse. Et puis, il y a aussi les fonds ad hoc, par exemple, les fonds qui jouent la volatilité. On avait évoqué le Amundi Volatility World. C'est un fonds qui se porte d'autant mieux que la bourse est un peu volatile, un peu nerveuse. Mais tout ça, ce sont, si je puis dire, des succès conjoncturels. Ce n'est pas exactement ce type de fonds qui nous intéresse. Alors justement, les fonds dont les gérants font du bon boulot et qui font beaucoup mieux que la baisse, ils sont toujours dans le rouge, j'imagine, mais ils d'accord. sont moins dans le rouge, alors, c'est ça hein. Quand même, David, on peut avoir des gérants qui font du bon boulot, mais qui sont pris dans la nasse. Hein. On est dans une situation boursière qui est très particulière de stress. Donc, même si un gérant est dans le rouge, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait du bon boulot, mais... Première chose, il n'y a pas de mystère, c'est quand même difficile de garder la tête hors de l'eau en ce moment. Alors, parmi les fonds qui sont en tête de classement, je vais vous citer, alors, contre toute attente, ça c'est pas quelque chose qu'on sentait venir, un fonds récent qui appartient à la Banque Postale, qui a fait plus 30-32% depuis le début de l'année. Oh, ça s'appelle comment ils ont fait? Alors, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. C'est un fonds qui s'appelle le Systematic Equity Overlay. C'est tout simplement de la gestion alternative. Ah. C'est un peu inattendu. Mais la Banque Postale se met, elle aussi, à la gestion alternative. C'est un fonds récent. Alors, c'est pas un fonds tranquille, parce qu'effectivement, ça a fait une 30% depuis le début de l'année. Et puis, quand on regarde la performance sur les séquences précédentes, c'est un fonds qui n'a pas eu un parcours flamboyant. Alors, un autre exemple, Trend and Level Managed Fund, 20% sur 3 mois. Alors, ce fonds, il est classé en allocation monde par les grandes agences de type Morningstar ou Cantalis. Allocation monde, ça veut dire que c'est un fonds qui achète aussi bien des actions que des obligations partout à travers le fonds. Et quand on regarde dans le détail comment ce fonds est géré, ça ressemble quand même beaucoup à de la gestion alternative. On rappelle, Frédéric, qu'est-ce qu'on appelle la gestion alternative? Justement, la gestion alternative, c'est de la gestion, on va sortir des classes d'actifs classiques, actions, obligations, on va utiliser du levier, on va se couvrir, on va utiliser des outils de couverture, soit sur le risque de marché, soit sur le risque de devise, et cette gestion alternative peut donner de bons résultats, mais ça peut parfois fonctionner un peu comme une boîte noire. Et ce fonds Trends and Levels Managed Fund, qui fait 20% sur 3 mois, on se dit, oh là là, c'est séduisant. Il faut quand même rappeler, pour un peu modérer l'enthousiasme de nos auditeurs, qu'accessoirement, le fonds, en 2019, il avait fait moins 6%. Puis un autre exemple, pareil sur ces gestions un petit peu autres, alternatives, le Next AM Fund Tendence Finance, sur la période, sur 3 mois, plus 19%. Donc ça, ce sont des exemples de gestion, effectivement, qui sortent du lot, mais on n'est pas sur de la gestion, comme on dit, de bons pères de famille. On va en parler, mais juste avant, puisqu'on parle de gestion alternative, H2O qui a brillé pendant très longtemps, qui rapportait du 20-25% par an, c'est compliqué depuis quelques semaines. Hein. Alors, en ce moment, oui, c'est compliqué. Et quand, moi, pour préparer cette séquence, je suis allé voir un peu les classements, quand vous prenez les fonds, la performance des fonds depuis le début de l'année, H2O est dans les choux avec des fonds qui font moins 60, moins 70, moins 72%. Alors c'était les fonds stars depuis 10 ans, il faut dire ce qu'il y a. Hein. C'était des fonds stars, absolument, mais à juste titre. Hein, quand vous prenez un fonds comme H2O Multibond, en 2019, ça a fait à peu près plus 30%. En 2018, pareil, ça a fait à peu près 30%. En 2017, ça a fait 14%. Donc, ce sont des fonds qui ont des parcours flamboyants et qui, alors là, sont pris à rebrousse-poil. Ce qu'il faut comprendre sur ces fonds, c'est que parfois, on est sur de la... Alors, pour le coup, de la gestion alternative des hedge funds, vous prenez un fonds comme H2O Multibond, le nom laisse croire, laisse entendre que ça investit dans des obligations. En fait, ça va investir dans des obligations
Ça va investir sur les devises, ça va mettre en place des stratégies de couverture, il va y avoir du levier. Oui, C'est mais des paris uniquement perdants. Là, extrême. pour le coup, à court terme, des paris qui ont été gagnants pendant 10 ans, mais qui ne le sont plus du tout depuis le début de la crise. Absolument, absolument. Tout l'enjeu sur ce fonds, sur ces fonds, pardon, hein, les fonds institutionnels, est de savoir quand les équipes de Bruno Kraft vont réussir à remonter dans le train, parce que ce sont vraiment des gestions assez sophistiquées, mais des gestions, entre guillemets, de visionnaires, très, très typées. Et là, malheureusement, mais c'est pas que c'était prévisible, mais quand vous avez un fonds qui se présente comme un fonds obligataire tel que le Infusion Multibonds, qui fait 30% sur l'année, comme en 2019, il faut quand même se poser des questions. Bon, dans l'univers des Sur des fonds, allez, on va gestions dire un peu plus obligataires. pépère, pas plus pépère, mais plus conventionnel, on va dire. Plus Quels sont ceux qui conventionnels. s'en Alors, sortent bien? il y a des choses avec des rendements moins flamboyants. Je pense à un MNG Global Macro Bond. Sur 3 mois, ça fait 2,60. C'est de l'obligation internationale. 2,60 sur 3 mois, c'est quand même très beau. Il faut quand même rappeler que ce fonds, en 2019, il a fait plus 9%. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je pense, pour vos auditeurs, c'est de regarder la performance des fonds qui gardent la tête hors de l'eau, effectivement, sur le dernier mois, les 2, 3 derniers mois, mais aussi un petit peu sur le plus long terme. Et un dernier exemple, JP Morgan Global Macro Opportunities, 2% sur 3 mois. Alors, ce JP Morgan Global Macro Opportunities, c'est un fonds mixte. Hein, on a évoqué ça, c'est un fonds qui investit et dans les actions et dans les obligations en fonction des opportunités qu'il trouve sur le marché. Bon, dernier conseil, Frédéric. C'est important de regarder comme ça les performances comme ça sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, vraiment, avant de choisir Alors, une SICA. oui, c'est intéressant de regarder la performance sur 1 ou 3 mois, c'est intéressant pour voir un peu le comportement de ces fonds en période de crise, de stress, mais ça ne peut pas être le critère de choix. Ça peut pas être le critère de choix, parce qu'on l'a vu, hein, on a évoqué des fonds, ce systématique Equity Overlay qui a une performance fulgurante là depuis le début de l'année, plus 30%. Si vous prenez ce seul critère de la performance 1-3 mois, vous allez acheter la performance qui vient de se faire. Ce qu'il faut, c'est essayer d'acheter la performance de demain. Et donc, c'est intéressant de regarder la performance sur 1-3 mois pour voir comment ça fonctionne, comment ça résiste en période de stress de marché. Mais ça ne peut pas être le seul critère. Bien évidemment, il faut regarder la performance sur plus long terme, hein, pour trouver Voilà. des fonds solides. Solide comme vous, comme un roc, Frédéric Lorenzini, donc On journaliste essaye. à Patrimoine 24. Portez-vous bien, bon week-end, bye. À bientôt.